Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 33e épisode sur Kingdom Come Deliverance. Alors normalement, il faut aller voir le prêtre. Parce que c'est vrai que j'ai pensé à aller chercher des infos sur le Bosch. Mais dans les infos, dans les... Non, c'est pas celle-là. Dans les quêtes, il y a marqué quand même... On va y arriver. Vous excusez auprès du prêtre. Et il faut trouver pour ça l'église. Tam 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 tam. Eh ben elle est juste devant moi l'église. C'est possible? Ouais. Bon. Normalement, si je me suis pas planté, il y est là-bas le prêtre, près de l'église. Ou il est au sud de la ville. Oh mon Dieu. Tais-toi. Je viens au nom du Seigneur Anouche de J'avais pas l'Étoile. encore reparlé à J'enquête sur celle-ci. le massacre de Neuhof et désormais sur un meurtre commis ici. Puis-je vous poser quelques questions? Allez-y. Imaginez, elle me débloque tout. Là, je... Qui était ce loup Bosch qui a été assassiné? Un ivrogne et une brute. Et un fainéant aussi. Les mains oisives sont les instruments du diable. Vous avez remarqué Ok. quelque chose de suspect dernièrement? Tu le portes dans Un ton cœur, toi. truand dans son genre qui se met à aller à l'église, c'est suspect. Mais je comprends mieux maintenant. Or, ok. Vous savez ce que faisait Lou Bosch le jour de l'assaut de Neuhof? Qu'est-ce que je m'en fiche de cette crapule? J'étais contente qu'il reste en dehors de mon chemin. Vous connaissez des gens avec qui Lou Bosch passait son temps? Des proches ou des amis? C'était un homme solitaire, mais il avait depuis Voilà, peu on a commencé à parler enfin auprès de trouvé la la suite. paroisse. Ce sera tout, merci. Bien sûr, au revoir. Va m'amener au prêtre maintenant. Tintin. Ah bah il le v'là. Comme c'est aimable de votre part de venir perturber ma solitude. C'est tout naturel. À 13 si je fais ça bon Veuillez m'excuser, je ne souhaitais pas aller boire avec vous. c'est une blague. Eh bien, en l'occurrence, Ah c'est super. réciproque. Et puis, je n'ai rien à vous dire. Ok. Bonjour. Ah ouais, échec. Mon père, vous entraîniez-vous au maniement de l'épée dehors? Jamais je n'aurais cru qu'un membre du clergé en soit capable. Je m'entraînais avec un bâton. C'est un souvenir de ma jeunesse, cette époque révolue, qui permet de me maintenir en forme. Pas bête. Bon. Bien Terminer le sûr, dialogue, au génial. revoir. Bon. Et maintenant? Attends. C'était bizarre cette façon. Ah. Ah! Oh punaise! Je vais être grillé. Bon sang. Super. Que se passe-t-il? On se casse. Qui va là? Bon, j'espère que j'ai pas foutu la merde dans la ville. Si. Voilà, génial. Tout va bien. Alors, il faut. En plus, il faut que j'aille voir le bailli. Alors, ça, c'est un peu osé quand même. Maintenant, il faut que j'aille voir le bailli pour normalement lui parler de cette histoire de prêtre. Mais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toute cette histoire? En pleine rue, sérieusement, quoi. Bon, je vais me rendre alors, hein. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai combien dans mes bourses? Enfin, dans ma bourse. 105. Bah, écoutez.
4 en force G. Tiens, pourquoi j'avais pas équipé le bon arc? Déjà, ça commence bien. Alors, il faudra malheureusement que je paye ma dette, que je m'acquitte de ma dette. Allez, on va payer. Ne bougez pas. Je suis un dingue, moi. Je suis un dingue. Lâchez les armes. J'ai capitulé. Vous avez commis un acte criminel, voilà. Et vous êtes en état d'arrestation. Merci. Allez. Capitulez. C'est bien. Je capitule. Voilà, merci. Et on va pas se battre en pleine nuit comme des chiffonniers quand même, on ça se fait pas. Chaparder. C'est comme voler, ça se fait pas non plus. Ça sera sûrement pas donné. Vous apprendrez que le crime ne paie pas. J'espère que j'ai assez. Hein. Ah, j'ai assez. Ouf. Bon, comme si j'avais le choix. Voici l'argent. Parfait. Toutes mes que petites économies. Pas. Rendez-moi tout ce que vous avez volé. Que j'en alors ça à leur propriétaire légitime. Quand même fort, le mec, j'ai quand même réussi à les tirer des thunes, quoi. Alors, dans cette histoire, il faut qu'on dorme. Ou qu'on attende la journée. Ouais, parce que, bon, il paraît que techniquement, ça se fait pas de rentrer chez les gens la nuit. Je vois pas pourquoi. Hein. Et bon. Ça a l'air de gêner personne, je suis en pleine... Oh, j'ai pas le droit d'être ici, déjà ça c'est bien. Il y a quand même un endroit dans la maison où on n'a pas le droit d'être à cette heure-ci, ça c'est bien. Et dépêchez-vous, les mendiants ne méritent pas ma patience. Je viens au nom du seigneur Anouch de l'Epa. Bien sûr, allez-y. Ce sera tout, merci. Bien sûr, au revoir. Oh, c'est bien, le greffier, je l'ai réveillé. Il me faut que je voie le bailli. Donc, à cette heure-ci, je pense que le bailli, c'est un peu cuit. Hein. Essayer de trouver quelqu'un qui en sait davantage. Mais lol. On va y arriver. Alors, il faut que je trouve un endroit où dormir. Ça aussi. Je propose peut-être qu'on aille maintenant à la taverne. Non. Pas tenter la taverne. Hey. Range mon arme, pas de soucis. Alors, la taverne, elle est là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Allez. Ah, il y a eu un bug. Merci pour la torche, il était temps. Non, j'ai pas le droit. Il me semblait bien. Ah, Vachek. Bye. Eh bien, je tombe dessus sans le savoir. Et dépêchez-vous. Les... Voilà. Edwin ne me communiquera jamais le nom des acolytes de Louboche. J'ai atteint une impasse. Je vous ai déjà dit que personne ne venait jamais lui rendre visite. S'il avait des acolytes, il les retrouvait ailleurs. Oui, mais où? Je ne vais quand même pas parcourir toute la région. Je vais me retrouver à Kuttenberg. Vous devriez le faire. Cette crapule pourrait bien apparaître dans leurs archives. Mais peut-être qu'il faudra pas voyager aussi loin. Une fois, il est venu se vanter qu'il avait été jugé à Raté. Peut-être qu'ils ont des archives qui mentionnent le nom de ses compagnons de l'époque. Merci pour votre aide. À Raté, allez, c'est parti. Voilà. Parler au greffier de Raté, parcourir les chroniques noires. Ok, bon. On est en pleine nuit? Ah, mon petit galet, mon brave galet. Je me sens beaucoup mieux avec toi. Mais non, il n'y a personne. Il n'y a rien. Alors, on doit aller à Raté. Et
On parie que c'est pas le... Ouais, c'est à l'autre bout du monde, en fait, en pleine nuit. Ça va être génial. Le taux de... comment dire? Le taux de probabilité d'attaque. On va se retrouver à... Oh. On va rigoler, tiens. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Montrez-vous. J'ai rangé mon arme. Ça devient n'importe quoi ici, hein. On peut même plus se balader qu'une arme. On n'a même plus le droit d'être en Amérique, quoi. Alors, ici. Je peux pas? Voilà. Pourquoi il voulait pas aller si loin? Je comprends pas. C'est pas grave, on a déjà avancé un petit peu. A réussi à débloquer un petit peu la quête sans le savoir. C'est juste que j'aurais dû parler au prêtre directement et pas attendre, mais soit. C'est fait maintenant. Ah, ça sent l'attaque, ça. Oh. J'ai de la chance. Waouh. Ouais, parce que si je descends de mon cheval, il va falloir que je prenne mon arme, que je me batte, que je machin, et on n'a pas le temps pour ça. Il est minuit. À cette heure-ci, tout le monde doit dormir. Voilà, on a déjà avancé un petit peu vers... vers, je ne sais plus quel petit patelin là, ou hameau, j'ai envie de dire. Et on va reprendre la map, la minimap. Là, je fais Neuhof off et raté directement. Hein. Si il veut pas que je me... Oh, bah, maintenant il veut. Voilà. Alors, c'est pas facile, hein. Je savais que ce jeu était assez monde ouvert. Je le regrette pas du tout. Je vous promets que c'est une excellente expérience. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai pas voulu commencer Witcher 3 et Skyrim. Pourquoi? Parce que justement, ces jeux étaient trop chronophages. Et je me retrouve avec Kingdom Come, qui lui l'est peut-être encore plus, je sais pas. Quoique, on n'est pas. On est. Non. Au niveau du temps, non. J'avoue, des quêtes et compagnie, quand on voit un Witcher ou un Skyrim. Mais malgré tout, on va quand même passer pas mal de temps. L'air de rien. Alors, il est quelle heure? 4 heures du matin. C'est bientôt l'aube. Je vais pouvoir essayer peut-être de trouver un endroit pour dormir. Qui sait, comme un pauvre. Ou alors j'aurais pu dormir un petit peu à l'auberge en fait. J'aurais dû faire ça. Quoi, je suis considéré comme voleur ici, c'est une blague? À rater, j'ai rien fait. Blague ou quoi? J'ai rien fait, pour une fois. Pour une fois, j'ai rien fait, je vous promets. C'est une blague. N'importe quoi ici. Bon, en plus, je cours à travers champs. Et j'aurais pu prendre mon destrier. Ah, je suis dégoûté là. Je sais pas pourquoi je suis considéré comme voleur ici, alors que j'ai jamais rien volé. Je suis innocent, monsieur l'argent. Et le pire, c'est que j'ai du coup, j'ai comme j'ai payé ma rançon de la fois passée, tenez-vous bien, bah j'ai pas de sous. Eh oui. Eh oui, pas de sous. C'est incroyable, hein. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais le voir voler. Voilà. Et après, on va me traiter de voleur. Mais je fais ça pour survivre, en fait, hein. Voilà. J'ai pas le choix, monsieur l'agent.
Là, on a une plante. Bah. Chien dans l'histoire ici. On va manger dans la marmite, tranquille, 4h du mat. J'ai entendu marcher moi des fois. Ah ici. Normal. Comment se passe la vie à Raté? Bien. Normal. Enfin. Bon, je vais me barrer, non? Je suis pas censé être là, moi. C'est un lieu privé. Ah ouais, normal, quoi. Qu'elle se recouche. Ah, c'est quoi ça? Rien. C'est un mec avec une torche qui est en pleine nuit chez toi. C'est pas grave, t'as oublié de fermer la porte. J'espère que je l'ai pas tué. Hein. Parce que j'étais là en mode. Poser le corps. Je l'ai tué? Non. Non, ça va, ouf. Jamais, hein. Ça va peut-être valoir quelque chose. Ou ne fût-ce que des coffres pour l'avoir l'intérieur des coffres. Propriétaire des bains, toi t'as des sous. Ça c'est sûr et certain même. Hop là. Oh là, elle se réveille. Assommée. Hop là. On va lui faire ses poches directement. Ça ira plus vite. Voler tout. Hop là. Non, on va pas commencer à tuer tout le monde, hein. S'il vous plaît. Pas de ça entre nous. Hein. Hop là. T'as failli te réveiller, toi. Hop, hop, hop. On dort ou on dort ici? Il y en a des choses. Voilà, merci Madame Groschen. T'as des sous. Bourgeoise, alors toi? Désolé. Mais je vais te faire les poches aussi. 17 Groschen. Ah ouais, ça veut dire que la servante avait plus que toi. Ça vaut la peine. Voilà. Et normalement, les coffres. Voilà. Selon la valeur. Pour le moment, ça va. Ok. On va aller faire tous les coffres, vider tous les coffres, mettre dans le... Oh. C'est pas transcendant non plus ce qu'il y avait là-dedans. Hein. Saisir le corps, tuer, piller. Ok, c'est fait. On va éviter. Hein. Alors, des gros chaînes, des gros chaînes. Qu'est-ce qui coûte cher? Ah!
Ah, j'ai gagné en crochetage. J'ai rien fait et j'ai gagné en crochetage. Ok. Moi, je dis pas non. Et j'ai la bague, sans le savoir. Je suis un génie. Ouais. Ok. Bon, là, techniquement... Je peux aller ouvrir tous les coffres, hein. On est d'accord. Bon, je vais lui marcher sur la gueule, en passant. Cela dit, en passant. En plus, c'est la journée maintenant. Dans un lieu privé, t'es sûr? Parce que moi... Ah, j'ai pas la clé. Ah, ça aurait été intéressant de l'avoir. Malheureusement, je l'ai pas. Alors, bien, on va fermer la porte. Et on va vendre tous nos tout notre larcin aux camarades syndiqués ici. Bon, on peut y aller. Hop là. J'ai vraiment un problème dans le jeu. Je passe mon temps à voler. C'est pas bien, franchement. Et chaque fois, je me dis que je le ferai plus. Hein. Mais je me retrouve toujours... Avec une sale histoire de vol. Au-dessus des... Allez, voilà, merci. Alors, le meunier. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Non, c'est pas ça. Aïe. Meunier, tu dors. J'en ai marre de te chercher. Ah, bah, il est là. Oh. Je pensais qu'elle allait m'envoyer péter. D'où Jésus. Ouais. Vous avez pas l'air en forme. Non, pas du tout. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. À la prochaine. Alors. Oh, voilà. Nous y sommes. Ah, voilà. Nous avons un vol. Deux vols. Trois vols. Il y a combien? 980. Ouais, ça va. On va se faire... plaisir pour une fois, tiens. Alors, faut que je sois sûr de rien oublier, hein, parce que si je me balade et qu'on vient me dire que je vole, ça va pas le faire. Quand même déjà 400 et des... câbles. Ok, 564. On va vérifier le panier. On va marchander, parce qu'après tout... Peut-on s'arranger sur le prix? Bien sûr, pourquoi pas. Ça payera mes futurs emprisonnements. 590, allez. Mon avis va rechigner. Enfin, une somme raisonnable. Oh bah, ok. Merci, Péchec. Hep, hep. Hep, hep, je te parle. Alors, je me suis procuré la bague. Merveilleux. Ils vont être fous de rage au bain public quand ils finiront par s'en rendre compte. Prends ta récompense et va pas tout dépenser dans des beuveries. De combien? 150 gros chaînes. Ok, nickel. Aurais-tu du travail en réserve pour moi? Pour toi, j'en ai toujours. L'un de mes amis m'a demandé de l'aider à récupérer une parcelle de terrain qu'il conteste à son voisin. Ah. Et depuis quand tu es un représentant de la loi? C'est un concours de circonstances. Non, je vais prendre un malin plaisir à te dire que nous allons pratiquer un bon vol à l'ancienne. Un acte de vente a été rédigé lorsqu'ils ont passé le marché. Bref, il joue pas forcément en sa faveur, alors dans l'idéal, il faudrait qu'il vienne à se volatiliser. Ok. Très bien. Où est-ce que je ne veux plus voler, c'est une blague ou quoi? Je fais que ça. Personne. Oh putain. Tu devrais voir la tronche que tu tires. J'ai jamais dit que ça allait être du gâteau. L'acte doit être posé sur une table quelque part dans l'hôtel de ville avec d'autres parchemins. Tu vas devoir t'y infiltrer et le retrouver. Je vais me débrouiller. J'ai fait pire quand même. Fais confiance. Et tu peux compter sur ta récompense. T'as intérêt, hein. Alors, comment est arrivé? Peux-tu me dire vendre Bon. Que Dieu vous accompagne. Voilà.
On va bouffer dans ta marmite, hein, en passant. Désolé, mec, hein, mais... Ça a l'air super bon, ce que tu bouffes. Pas de crochet. Puis en même temps, je crochette devant un gars, quoi. C'est pas top. Alors, on a... Normalement, on a tout vendu. Ça, c'est déjà une bonne chose. On n'a plus... problème à se faire avec ça, en tout cas. Alors, on va aller à rater. Le jour s'est levé. On doit aller parler, pom pom, au bail raté. Ouais. Par contre, ce serait bien de se laver, hein. Là, je pense qu'il y a une auge. Merci. Ah. Peut-être c'est parce que j'ai des habits qui sont complètement n'importe quoi, ça, qui sont complètement foireux, parce que je vois que j'ai un truc, une petite icône porc sur le à côté de ma vie, donc je suppose que un pauvre petit goret. Alors, yeah. Une cannabis. Je dois monter là, c'est une blague. Comment tu veux? Ah. Bon. Vous savez ce qu'on va faire? On va pas se casser la tête. Après tout, on a la technologie avec nous. Hop là, voilà. Ça fera le reste pour nous. Et par contre, ça va être super chaud de garder notre énergie toute la journée. Hein. On est à 51. À mon avis qu'on va faire un petit somme vers 6h du soir, quoi. Bon, quand on tombe sur un garde... Capitulation directe. Ah bah justement. Hey, vous, oui. Ne bougez pas dans le pouce. Je fais, pas de problème. Lâchez les armes. Vous avez commis un acte criminel. Ça suffit. Et vous êtes en état d'arrestation. J'abandonne. Et je vous tiens. Vous allez avoir droit à une correction en règle. Là, vous comprendrez ce que le mot justice signifie. Quoi ? Hein ? Ne jouez pas aux innocents. Vous avez mutilé quelqu'un, sale vermine. Tilé ? Moi ? Sans parler des autres actes immoraux. Moi ? Vous auriez dû y réfléchir jamais. Deux fois avant de faire ce que vous avez fait. Bon, j'espère que j'ai assez pour... une grosse amende. À 150 quand même. Bon, allez. On va payer, c'est tout. Je suis pas... pièces. Franchement. Parfait. Mais que je ne vous y reprenne pas. Et remettez-moi ces marchandises volées. T'en as pas. Voilà. Alors, ici maintenant, le bailli. Ah, c'est quelque chose, hein, ça. Alors ici, on a des quêtes. Alors ici... Donneur d'activité, nous y sommes. Parler au greffier et parcourir les chroniques pour voir si c'est fait mention de Lubosch. D'accord, bon. Pour faire ça. On va courir. Ah, la mendiante, elle est pas trop bien. Le problème, c'est que quand j'ai de l'argent, j'ai envie de le dépenser pour des armes. Mais le problème, c'est que je me fais gauler chaque fois. Donc, je peux jamais... Bon, non, c'est une blague. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est sur ordre de sa seigneurie. Ah, vas-y alors. Venez donc. C'est bon, vous pouvez partir. Merci. Le mec court. Rangez-moi ça ou vous allez voir. Non. Mais rangez-moi ça ou vous allez voir. Ah, il rigole pas ici, hein. Alors ça m'ennuie, hein. Que je ne sache pas rentrer mon arc. Ça commence à être un petit peu embêtant. J'avais envie de la voler, hein.
Portez-vous bien. Personne à part nous deux, hein. Je suis incorrigible. Vraiment. Hop là, merci, au revoir Agnès. Joyeux Noël. Bon, j'ai déjà compris que les tout ce qui était le plus important était le plus loin dans la roue en fait, ce qui est logique hein, dans un sens. Ils vont pas te donner des gros chaînes directement à côté. Alors, il faut que je voie le... Pourquoi j'ai tagué l'église moi? N'importe quoi. Ah là. Le bâtiment du bailli. Garde de la boutique. Salut, pas loin. Le bailli. Ah. Ne serait-il pas ici quelque part, il me semble. Le bailli. Ici peut-être. Je cherche monsieur le bailli. Bonjour monsieur le bailli. Et il est pas ici peut-être. Ah. M'a appris à lire. Je sais même pas si je suis déjà rentré par ici en fait. Honnêtement, hein. Voilà le bailli. Ah, bonjour bailli. Que Dieu vous accompagne. Merci. Maître bailli, il ne se passe rien de particulier par ici? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Bailli, vous m'avez l'air épuisé. Vous êtes débordé de travail? Débordé? J'ai reçu tant de visites que c'est à se demander comment la porte n'a pas été arrachée de ses gonds. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu l'ordre de trouver un emploi aux villageois de Scalis. Ça reste dans mes cordes, mais j'ai du mal à répartir les tâches de manière équitable. Je comprends. On a tous des bouches à nourrir. Le pire, c'est que personne ne vous dit qui en a le plus besoin. Mais vous devriez pouvoir m'aider. Comment? Avec vous, ils seront plus enclins à être francs. Vous pourrez déterminer qui sont les plus nécessiteux et décider de qui fait quoi. Qu'en dites-vous? Ok. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour encore vous une nouvelle quête en plus. Vous êtes tout va bien. Nord. Merci, merci. J'imagine que vous connaissez ces gens-là mieux que quiconque. Mais si vous avez besoin d'informations, demandez-leur. De quel type de métier il s'agit? Eh bien, le vieil Hagen cherche une cuisinière et il nous faudrait aussi cinq porteurs. Une cuisinière et cinq porteurs d'eau, c'est assez quelconque. Et ça pose problème? En quelque sorte. Il y aura cinq porteurs, mais seulement trois auront à porter. Ah d'accord. D'eau. Les deux autres, ce sera de la merde. Ou, comme dirait le pape, des excréments. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'entretenir à ce sujet? Oui, Conrad Hagen, le marchand. C'est lui qui cherche une cuisinière. Vous pouvez aller le voir. Et puis le jeune Alex saura qui est taillé pour ses travaux parmi les villageois de Scalis. Et? Pourquoi cette histoire vous préoccupe tant? Parce qu'ils me craignent. Du coup, pas un seul ne m'a donné une réponse claire. Comment diable suis-je censé faire le bon choix dans ces conditions? C'est une bonne question. Comprenez-les. Je sais, mais je ne veux pas avoir à choisir un bon à rien qui ira dilapider tout son argent à la taverne. D'accord. Vous en savez plus à propos de la cuisinière? Posez vous-même la question à Hagen. Moi, pas moyen de lui décrocher une réponse. Si ça se trouve, il a changé d'avis. On va se retrouver dans des quêtes annexes. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces porteurs d'eau? Il en faut trois. Là, ce sont les domestiques de la ville qui s'en chargent. Et ils sont obligés de descendre jusqu'à la rivière pour prendre de l'eau. Évidemment,
Où ça, sinon? À la colline des pendus? C'est un métier rude, mais indispensable. Et les autres porteurs? Et en ce qui concerne les autres... porteurs? C'est sale, mais on peut difficilement faire sans. Et il y en a des monts entiers, ici. Certains endroits sont... remplis à ras-bord. Écœurant. Comment convaincre quelqu'un de s'atteler à la tâche? Au pire, je peux leur en donner deux gros chaînes de plus qu'aux porteurs d'eau. Ça pourrait suffire à en convaincre. Ah, moi je veux bien même. Pour deux gros chaînes, je le prends. Hein. Courage. Ah bah merci. Ce fut un plaisir. Bon, normalement je devais parler à... au bailli du Limousin. Alors une sauvegarde automatique, merci. Alors j'ai l'impression quand même que depuis ces mises à jour, il y a un peu plus de... comment dire, un peu plus de chargement qu'avant. Alors, parler au greffier. Ah, c'est le greffier. Ok. Parcourir pour voir s'il fait mention de Lubosch. Les chroniques noires. Hmm. Qu'une idée. À mon avis, ça va être fermé. On est d'accord. Ça peut pas être ouvert à tout le monde, comme on dit. Si. Et... d'accord, c'est la porte qui était fermée. Ok. Et c'est ici qu'on va se laisser. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. Si c'est pas encore fait, bien sûr. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Merci à tous. Bye bye.